Dans un passé pas très lointain. Un peu plus moins loin que le passé lointain précédant le moment présent dans lequel l'action se passe, qui sont donc les événements précédents la forme antérieure du présent simple par rapport au passé qui s'est déroulé avant. Il y a quelques minutes, quoi. C'est planant! Mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode de Castlevania, Lord of Shadow, dans lequel je vous avais laissé en méga déception! Le suspense est à son comble! Le fabricant de jouets se dresse contre moi, possédé par le sang vicier! Nous avons là un nouvel épisode plein d'action! Let's see how well you improvise! Nous sommes face à un ennemi complètement dingue. Hop là! Cette fois, le combat! The memory of his beloved Brunhilde filled the knight's arm with strength! Mais il est complètement facile ce boss! Come on, someone! Sir Walter's skill was legendary throughout the kingdom! My revenge will be terrible! Ce chevalier est complètement facile! My revenge will be terrible! Ta gueule! Allez, deuxième round! Are you trying to outshine me? I cannot act with amateurs! Ok, donc il va falloir... Attendez, c'est peut-être un peu... C'est un peu fort dans mes oreilles. Voilà. Ok, donc à quel moment il va falloir le taper, ce con? Maboule! Un dragon Saron Ganthorix. Saron Ganthorix. The kingdom unprotected decided to lead it there to sow terror. Ah, ça fait mal aux oreilles, attendez. Ah là. Ah, c'est mieux. Ah, c'est du feu. Contre le feu, rien ne vaut la glace. The dragon's breath was a blaze worthy of hell itself. Tu veux jouer au feu? Oh si j'ai le feu, hop là! Hellish flames spawn from the dragon's belly! Ah! Il est un peu plus dur que le lancer! The dragon's breath was a blaze worthy of hell itself! The evil invader had met its match! Oh bah il sort! Ah! C'est chaud. The dragon's breath was a blaze worthy of hell itself. Hop. Oh, je fais un peu. On s'approche. Et on tape. Hellish flame sprung from the dragon's belly. Ok, on va un peu économiser son kata. Boom. The dragon's breath was a blaze worthy. Et voilà. Come on, Sauron Ganthorix! Don't fall asleep now! Boom! Dragon détruit! Stop undermining my play! J'avais qu'à rester mon copain! I will teach you! Putain de sorbicier! Ah! I cannot act with amateurs! J'ai un peu de vie. Naha. Ah, fabricant de jouets. Nécrochu. The show's not over yet. Let's see how well you play your death scene. Comment je fais? I'll smash you like a flea.
je sais. Boom! Et maintenant, la chaîne. On lui fait méga mal. Et maintenant, c'est vrai. That was close. Boom! I've smashed you like a flea! C'est trop facile. Avec quatre, restez mon pote. Par le pif. On va pas le tuer quand même, il est mignon. Non, il est gentil. Ah. Ah. Bah, il se fait déposséder. Non, il est gentil. Ah. Ah, j'ai cru qu'on allait le tuer. Oh, ça aurait été dommage. Ah, je suis content. On a récupéré un pote. Donc en fait, les possédés par les sorciers, il suffit de les tataner jusqu'à ce qu'ils vomissent. C'est cool. You were about to give me a fragment of the mirror of fate. Ah, yes. Calme-toi. It is. Oh, yes. Voilà. Good. Good. You know, it's calme-toi. All starting to come back to me. Quoi? I know who you are. Oh, my. Non, t'en vas pas. Goodbye, old man. Guard your heart well. Oh, c'est trop beau! Oh, mais le pauvre vieux! Oh, il me fait de la peine! Non! Voyons. Le fabricant de jouets! Le plus extraordinaire élève de Gandalf, celui qui a créé les croix de combat, aimé et admiré par ses magnifiques jouets, a été trompé par le magnifique Walter Bernard. Prisonnier du château et victime de malédiction, le fabricant de jouets n'a jamais cessé de produire des instruments de souffrance et d'animer les cadavres pendant des siècles. Un jour, une de ses marionnettes l'a tant ému qu'il a voulu lui donner son propre cœur. Il donna à ce petit garçon de bois qu'il aimait comme un fils son seul organe, hashtag Pinocchio, qui n'avait pas été corrompu, à la condition qu'il le protège des ténèbres qui menaçaient son être. Son corps demeura dans un cercueil de verre oublié de tous, sauf de ses fidèles marionnettes qui attendent toujours son retour. Oh, mais il est trop... Mais regarde-le! Mais il est trop mignon! Oh, ça m'émeut! Oh! Y'a des points! On va le faire dans une nouvelle attaque! Une attaque trop bien. Ça, c'est pas mal. Contre-attaque tranchante. Blizzard. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Mais regardez-le, mais il est trop mignon. Oh, il est trop mignon. Bref, et on n'a toujours pas récupéré de pouvoir. Mais il est trop mignon. Mais pourquoi il pleure? Mais je lui ai sauvé la vie. Oh, putain, faut se casser de cet endroit, sinon je vais y rester des heures. Adieu, vieillard. Veille bien sur ton cœur. Pauvre vieillard. Oh, ça me fait de la peine. Attends. Hey, fabricant de jouets! Si tu veux, j'ai un fils dans l'aile d'à côté. Il a des poupées. Ça, tu veux aller jouer avec lui? Voilà. Bon. En tout cas, maintenant, ce qui est sûr, c'est que ce sang vicié, on va en trouver la source et on va lui péter la gueule. Parce que moi, il est hors de question qu'il me prenne tous mes amis. Franchement, je suis peut-être Dracula, mais j'ai dit coupe. Surprise, motherfucker! Insignia Smago! Ah! Die, devil! Des renforts! Oh,
Ça, je verrai, jette. Tello Magica! Pass through the portal, brothers. You must stop him. Ok, ils sont tous alignés. Et boum! Et boum! Et boum! Et boum! Et boum! Et kata! Arquesse armas! Die, devil! Ah! Ça suffit! Move away! He's lying! Toi, t'es chiant! Putain! Let us eradicate the shadow! Orchestre armas! Aïe! Pourquoi il a un truc d'or, lui? Tello Magica! Insignias Magos! Arrêtez de dire des conneries! Y'a un enfant à l'intérieur! Pas des insultes! Orchestre armas! Viens par là. Merde! Insignia Expago! Rien, mais toi! Voilà! Touche plus! Moi aussi, je sais faire! Pass through the portal, brothers. You must stop him. Voilà. Oh, triple crâne, 500. Ça fait plaisir. Non mais, c'est pas des petits connards de la confrérie qui vont me faire... Ah, le jeu. Mais... Mais il est à peine apparu qu'il a disparu. Oh, attends. Moi je crie à l'arnaque. Voilà. Ça affine les réflexes. Youhou. Yeah. Trois crânes. Un peu de la merde. Mais ça fait toujours plaisir. Et hop. Allô. Faut refaire une partie pour ouvrir la porte. Ah, elle est ouverte. Voilà! Ça y est, j'ai gagné. Un triple crâne. C'est cool. Merci, fabricant de jouets. Mais il est trop mignon, le fabricant de jouets. C'est un petit vieux qui demande rien à personne. En plus, un petit vieux bedonnant. Il est tout mignon. Salut, fiston! J'ai un nouveau morceau. Ça y a pas là, la tête de bouc. Dis pas bonjour, surtout, hein. Have you brought me another piece? Oui! Merci. Merci! Fils ingrat. There are still some missing pieces. There is one other piece, and I know who has it. Qui? But he isn't here in the castle. Bah, il est où? Where is he, Sam? Oh, il est trop mignon! Close your eyes. Just for a moment. Ok. Very well. Mais il est trop chaud! Oh, j'adore ce moment père-fils! Surtout que Dracula, c'est le prince des ténèbres, le grand méchant! Et il a un fils et il l'aime! Oh, c'est trop chou! C'est pas la cité des damnés, ça? Ah non? C'est son bec! Il a un morceau du Mirror of Fate! Non, c'est lui? Si, c'est lui, c'est son père. Oh, sa bague, elle est trop stylée. Toujours en train de fumer. Et il a 112 ans, le mec. Fumais-tu, mon cul? La preuve. I'm pleased to see you again. Oh, thank you. What happened to you after you destroyed the Acolyte? Je suis allé voir ma famille. I lost all trace of you.
Where have you been? Avec mon fils. Attending to my own affairs. Allez. Ah, I see. I see. So back. But of course you have been away such a long time. Ouais, je vois, t'as pu reconstruire ta tour. Everything appears to be in order, sir. Quitte. The other acolytes will know one of them is dead by now. Indeed. But they don't know who was responsible. À ce propos, je pourrais t'emprunter Kit encore. I'm sure word will reach them soon. I have little doubt that they will discover who it was before too long. Mais oui. I'm afraid that they already suspect you have come out of hiding, my friend. Mais ouais. Even as we speak, a powerful presence searches for you in Mais your c'est pas grave, je vais lui péter la gueule. Hideout in the church. Who? An envoy of the Acolytes, I believe, though I cannot be certain. Ouais, si c'est comme Volkova, c'est un émissaire d'acolyte, mais qui en fait un acolyte. I'll go and see for myself. Whoever it is may lead us to them. Mais ouais, et on va lui péter la gueule. No, I don't need a dog. Mais c'est pas un dog, c'est Kit. Putain, mais il a des assassins partout, en fait, lui. Oh, putain, Dracula, on va pas s'entendre, hein. Moi, je veux Kit, il est trop bien. Et en plus, il est poli. Bon, quand il t'arrive un peu par derrière, et il veut te péter la gueule, mais bon. Alors, vu que j'ai tué l'autre Volkova à la con. Des bouquetins ! J'ai tué votre maître Agrius ! Boum ! Ah ! Ça colle, c'est dégueulasse ! Ta gueule! Boum! Boum! Silence, bouquetin! Hop là! Ah! Boum! Tissi! Oh! Crève! 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 Il est mort! Voilà! On change un peu les griffes du chaos. Oh! Il y a un trou là. Ah, c'est pour retourner chez moi ça. On retournera au château quand j'aurai mis la, main sur un nouveau Papa Power! Hop là. Je casse pas toutes les caisses, hein. Encore un ascenseur? Putain, tu vois l'état un peu du garage. Et puis tu vois l'ascenseur. Mais question, ces bouquetins là, est-ce que c'est vraiment Agrius qui me les envoie? Est-ce qu'il venait seulement d'Agrius? Chauve-souris! Et là, je te bouffe! Ah, ton tour! Bouge plus! Magnifique! C'était vite fait. Bon, allez, maintenant, faut retourner à l'église. Surround him! Oh, merde! Là, il n'y avait pas un courant ascendant, là. Ouf. Non. Si, il y avait quelque chose. Naha. Bouquetin, c'est bon. Oh, ah, j'en ai profité un peu pour régène. Hop là. Alors là, il y a une porte. Une porte qui mène où? Je ne sais pas.
Et là, c'est la salle des cartes. Les cartes ici? Ouais, y'a que les cartes. Et cette porte s'ouvre comment? Ah oui, je sais, j'ai récupéré le pouvoir de la brume, ce qui fait qu'il y a des... que dans le château, il y avait des moments avec des courants ascendants, genre par exemple... je sais plus. Donc je pourrais y aller. Mais je préfère attendre d'avoir un nouveau pouvoir pour... Everything in order. Et ta mère. Voilà. Open fire. Je saute partout. Je suis un docteur. Voilà. Donc je disais, oui, il y avait des passages dans le château avec le courant ascendant, mais je préférais attendre d'avoir un nouveau pouvoir histoire d'avoir plus de possibilités. Et pas être obligé de revenir. 36 fois dans ce château. Ah bah viens là. Viens là. Je crame la tête. Surtout que cette armure est pas du tout ergonomique. Hein. Pourquoi la flèche m'indique par là? Est-ce que c'est seulement le bon chemin? Ça se trouve pas du tout, je suis pas du tout sur le bon chemin. Là, il y a une grille. Pouvoir de la brume! Et sérieux, c'est quoi cette vie, sérieux? On voit même pas le fond! Oh, génial! J'aime du chaos, parfait. Plus que 3. C'est-à-dire que j'allais retourner à Bioki mec. Hop hop. Il y a une surprise là-haut. Ouais, donc à mon avis on va avoir un pouvoir planant ou un double sauté. Enfin comme dans le tableau. Comme dans le Castlevania Lord of Shadow 1, où nous avions un double saut et les ailes de la vampire de Carmilla, qui par ailleurs ne ressemblait pas. Ouais, casse les poubelles, vandale, vandalisation. Mais messieurs, ici la police. Police, vous avez été pris en flagrant délit de cassage de poubelles. Oh. Mais quel con! Hop là! Hop là! On bouge plus! Et maintenant, tombe-le! Voilà! Personne ne casse les poubelles dans ma vie. C'est Django Dracula. Mais c'est quoi ces tuyaux? Mais franchement, elle est mal foutue cette ville. Là, y'a pas un truc. Hop. 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 Oh, boîte qui pique. Merci, boîte. Nouvelle étape de vie. J'en perds mes mots. Génial. Plus que 3, je dirais 3. Putain, mais ce bruit de d'eau qui s'écoule. Ah, courant ascendant. Youpi. Hop là. Facile. Un bout qui pique. Ça m'énerve. Je garantis pas de les avoir toutes, hein, mais au moins essayer d'en avoir un maximum. Bah. Open
Ah, mais l'autre il me fout des... Mawashi guéri en l'air. Pourquoi? Hold your position. Et tes positions. Ta gueule. Ta gueule. Attends, j'ai quoi comme kata? Arrêtez. Hop. Oh, j'ai 4 000, je peux en acheter. Saut périlleux au point. Boum. Ouais, pas mal. Contre-attaque, séisme, couverture d'œuf, avalanche. Ça, c'est bien. J'achète, j'en ai rien à foutre. Oh. 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 Attendez, on va le prendre d'abord. Allez, ex-écho. Viens par là, toi. Voilà. C'est cool, les techniques, j'adore. Oui. C'est trop cool. Une porte. C'est quand même la ville la plus mal foutue du monde, hein. Voilà. Une porte qui ne s'ouvre sur rien. Oui, bien sûr. La flèche m'indique par là, mais moi je veux aller par là. Allez hop. Eh ouais, Prince des Ténèbres, c'est pas tous les jours la joie. On est où là? Ok, d'accord. Utilité indéterminée. Et pourquoi elle se referme derrière? Allez, voilà. Voilà. Allez, zou. Ah putain, voilà. Monte, 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 monte. Suspect. Déjà la ville est complètement détruite. Hop là. C'est suspect. Non. Des flics. Bonjour messieurs. You're finished, scum. Moi je vous ai fait quoi? Ah ouais, ben quand vous vous appelez les copains, faites pas semblant. Hop, c'est quoi? Mecha anti-émeute. Putain, les émeutes là-dedans, il est... C'est pas un coup de matraque là, c'est un coup de calage dans ta gueule. L'industrie de l'armement a conçu un certain nombre d'outils de marre destinés à donner à leurs troupes une supériorité tactique, mais rares sont ceux qui atteignent le niveau de perversité et de destruction du mecha anti-émeute. L'opérateur de cet énorme char bipède a à sa disposition un lance-flammes, un lance-grenade, mitrailleuse de gros calibre permettant d'affronter seul une centaine d'hommes armés jusqu'aux dents. Son épais blindage offre une protection totale contre les impacts, mais il a un problème de surchauffe au niveau des moteurs. Pour éviter qu'il n'explose, les ingénieurs ont trouvé la solution de lui adjoindre deux fragiles tuyaux de refroidissement qui sortent quand cela est nécessaire. Ok. J'en vais s'occuper des flics. Toujours reste en mouvement. Hop. En freeze. Ah, il attaque. Putain, sérieux, on se croirait dans Dog Life Dog Style. Boum. Boum. En voilà un qui est mort. Hop là. À ton tour. Ah, il attaque. C'est ça ta mitrailleuse de gros calibre. Bien. T'as un problème de surchauffe, il paraît. Aïe. Mmh.
mauvais genre. Voilà. Maintenant je fais quoi? Je peux attaquer au feu maintenant. Pique. Ça va, j'ai récupéré assez de vie. Oh non. Ah, n'aura pas. Moi non plus, j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. Ah ah. Ah. Et un tuyau. Technique. Hop là, tu m'auras pas. Il m'a pas eu. Allez, bâtard. Ça, c'est méchant. Ah. Et l'autre tuyau. Et tu es mort. Oh. Ah, ça pique la main. Facile. Sur le grill. Oh, c'est après ce combat trop stylé. Après ce combat trop stylé que mesdames et messieurs, je m'en vais vous laisser pour la suite de l'exploration de la ville, parce que le temps est écoulé. Et oui, ça passe trop vite quand on s'amuse comme des petits fous. On a défait le mecha... je sais plus quoi. Nous devons retourner à l'église, notre résidence secondaire, pour y trouver l'acolyte qui vient fouiner comme un petit rat. Alors que le chef des rats, c'est nous. Nous le trouverons, nous lui pèterons la gueule, nous le soumettrons à la question. Veuillez vous soumettre à la question, nous savons les moyens de vous faire parler pour trouver les autres acolytes. En attendant, Dracul s'en va se reposer. Zouf ! Prochain épisode.